De là où l'ambassade du vent offshore modéré ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est dégagé. Il fait 10 degrés déjà ce matin, dans l'eau 14 degrés, la marée monte. Plein haut 11h05, coefficient 58 sur ce montant. Le vent est offshore est-sud-est à sud-est, modéré, de Beaufort établi. Des rafales à 3, il est quand même bien présent. Il y a 4 à 5 nœuds, des rafales à 7-8 nœuds. Le plan d'eau est un petit peu fripé, les phases de vagues sont lisses. Et on a cette houle qui est elle longue avec 12 secondes de période orientée ouest à ouest, sud-ouest, une houle qui est quand même assez propre, sectionnée, mais quand même assez propre, et qui est en atténuation par rapport à hier soir, plus petite que prévu ce matin, c'est pas hyper costaud. Il y a quoi sur les séries? Il y a 1m30, 1m50 quand il n'y a pas les séries, il y a 1m, 1m20. Ben, il y a des vagues qui arrivent à dérouler, toujours sur la centrale, c'est là que ça se passe. On voit des gauches, des droites qui arrivent à dérouler en sectionnant un peu, c'est pas la perfection, mais il y a quand même des bons bouts qui passent par moment. Les entre-bandes de sable sont moins favorables, personne à l'eau ce matin, personne qui check. Évolution pour le reste de la journée, un train d'houle qui va grossir, du vent qui va se renforcer au sud-est, bouée arcachon à la hausse, à minuit 2m10 et 9 secondes, maintenant 2m50 et 8 secondes. Donc à 13h on aura 1m50, sur une houle ouest à ouest sud-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-est 3 à 4 Beaufort, et à 17h 1m50 à 2m, houle ouest à ouest sud-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-est 3 à 4 Beaufort. Offshore toute la journée, surfable toute la journée, mais le meilleur créneau a priori quand même ce matin, avec la marée haute associée à ces petits coefficients. Prochain point à 8h30, à tout à l'heure, merci.